Rapha, éternel Dieu qui m'est guéri. Oh, ta parole m'a su. Shama, par tes mères tissus, Shama, je suis guéri. Dans ma maladie, même quand le diable vient me t'intimider, je suis qui, par tes maladies, je mérite rassuré. Il et j'aimerais que tu saches, bien-aimé, que la guérison fait partie de promesses. Shalom, shalom, Saint Continent. Soyez bénis par le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je nous invite à prier avant que nous puissions entrer dans les sujets du jour. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de tes bontés, je te bénis, je te rends toute la gloire. Les créateurs des cieux et de la terre, l'Éternel est Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Rien ne peut résister en ta présence. Sois loué, sois glorifié. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes afin de nous parler encore. Je te recommande au Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Ces moments où nous voulons passer la prédication dans les cinq continents, par la télé, par les nets, que ta grâce, Seigneur, descende tout au long de ces moments. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre, nous enveloppe. Je viens sceller les quatre coins, recoins de ces studios par le sang de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit descende dans ces studios. J'arrête toute activité ne confessant pas la Seigneurie de Jésus-Christ dans ces studios, dans ces quartiers et dans toute la France. Je viens sceller toute la France par le sang de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je te couronne roi de rois dans ces studios et dans toute la France. Ta parole me dit, là où foulera la plante de vos pieds, je vous les donne. Je prends possession de ce pays au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, que ma bouche devienne ta bouche maintenant. Mets des flammes de feu dans ma langue. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Oh, que le nom de l'Éternel, Dieu le Père, soit élevé à perpétuité. Amen. Je lève le Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu vivant. Amen. Et je dis merci au Saint-Esprit de Dieu, le Consolateur de nos cœurs. Amen. Je vous salue tous les cinq continents, vous tous qui nous suivez sur Pactol TV dans notre spécial programme de Hadassah, les cœurs de Dieu. Nous sommes au rendez-vous. Restez toujours connectés à Pactol TV pour nous suivre. Aujourd'hui, j'ai vraiment une bonne nourriture pour vous. Pourquoi ma vie est-elle détruite? Pourquoi je n'avance pas dans la vie? Cependant, j'ai pris. Cependant, je travaille. Mais pourquoi je tourne en rond? J'ai une réponse pour vous ce soir. Nous allons dans Agé chapitre 1. Agé chapitre 1, nous allons lire la première partie. Agé chapitre 1, les versets 1 à 15. La seconde année du roi Darius. Le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadac, les souverains sacrificateurs, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé,
les prophètes en ces mots. Et c'est le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne. Apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur les blés, sur les moûts, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tous les travaux de main. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadac, les souverains sacrificateurs et tous les restes du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, les prophètes, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé envoyé de l'Éternel dit au peuple, « D'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tous les restes du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, des armées, leur Dieu. Le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. C'était la parole du Seigneur. Amen. Oh! Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous semez beaucoup. Vous avez pris l'argent, vous avez fait entrer dans les affaires. Vous ne récupérez même pas la moitié de ce que vous avez investi. Il y a des gens qui font des affaires. Il y a beaucoup de sortes d'affaires. Je prends par exemple ceux qui vendent. Vous avez pris une grosse somme comme capital. Vous avez acheté des marchandises. Vous n'avez même pas vendu la moitié. Vous vous retrouvez en train de prendre ces marchandises, commencer à donner comme des dons là-bas à l'église, envoyer ça au pays là-bas, parce que étouli, était camité. Vous n'avez même pas pu vendre. Pourquoi tout ça? Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Oh bien-aimé, il y a des enfants qui vous mangent. Il y a des familles. Vous achetez un sac de semoule, même pas deux semaines, c'est fini. Vous achetez des sacs de riz, même pas deux semaines, c'est fini. Mais, pourquoi? Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous avez toujours soif. Il y a des gens qui, tu vois les habits que la personne a, ça peut contenir même un magasin, mais la personne a toujours soif d'acheter. Soif d'acheter. Soif d'acheter. Quand il voit quelqu'un, mais il a des nouveaux sacs qu'il n'a jamais utilisés. Pour
Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Hein? Tu n'arrives pas à économiser. Pourquoi tout ça dans ta vie? Bien-aimé, laissez-moi retourner d'abord dans l'histoire. Nous sommes à cette époque, 17 ans après, l'époque des prophètes âgés. Dieu utilise toujours un homme à chacune époque. Il élève toujours un homme, un prophète, une femme. C'est pourquoi il faut avoir l'oreille spirituelle. Ne combat pas ce que Dieu est en train d'élever, comme les gens qui nous ont combattus dans Hadassah. Plus ils nous combattaient, plus ils faisaient notre publicité. Oh, je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Ni têtez-vous, Hadassah n'allait pas arriver là où nous sommes aujourd'hui. Tous les gens, quand je leur pose la question, mais toi, comment tu nous as connus? Non, j'avais vu un débat là chaud qui était quelque part. J'ai dit, wouh! Ce débat-là qui nous a fait des maux de tête, c'est ça qui vous a amené? Bien-aimé, toi aussi que Dieu est en train d'élever, laisse Dieu combattre pour toi. Ne combats pas, parce que ce n'est pas toi qui te mets là où Dieu t'a mis. C'est lui qui t'a mis là, c'est lui-même qui gardera cette chaise. À la seule condition que toi tu demeures fidèle à Dieu. Voici ici, Israël venait de retourner, c'est après 17 ans. Israël était en captivité à Babylone. Israël est retourné en Israël. Et pendant 17 ans, chacun était préoccupé à bâtir sa maison, à chercher un terrain, à commencer encore à vivre. Vous pouvez vous imaginer les gens qui étaient exilés pendant longtemps. Maintenant, ils retournent dans le pays d'origine. Oh, quelle joie! Dans cette joie-là, ils ont oublié quelque chose de très important. C'était de bâtir la maison de Dieu. Maintenant, regarde, ils ont commencé à travailler, mais ils récoltent peu. Parce qu'ils ont négligé la maison de Dieu. Maintenant, Dieu lui-même a bloqué. C'est la chose qu'il ne faut jamais faire. Travailler 7 jours, de lundi à dimanche. Tu n'as pas le temps pour la maison de Dieu. Tu n'as pas le temps pour le Seigneur. Dieu lui-même a travaillé 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé. Est-ce que Dieu a besoin de repos? C'était pour nous donner l'exemple. Que dans ton jour de travail, tu dois avoir aussi un temps pour le Seigneur. Bien-aimé, Dieu maintenant va élever Agé pour passer le message à Israël. Agé d'abord, son nom signifie en fête. Donc la fête, la joie, c'est le nom des prophètes Agé, la signification de son nom. Voici pendant que Israël maintenant était dans la tristesse. Mais comment nous sémons beaucoup? Au moment des récoltes, nous récoltons presque rien. Israël a été dans la tristesse. Maintenant, la joie vient. Agé qui s'appelle la joie. Il vient avec le message de la part de l'Éternel. Il a dit, écoutez Israël, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez négligé ma maison. Parce que chacun de vous s'occupe seulement à bâtir sa maison. Personne n'a bâti ma maison. C'est pourquoi moi, l'Éternel, j'ai bloqué. Bien-aimé, c'est pourquoi serviteur de Dieu, servant de Dieu, quand Dieu vous donne le message, prêchez le message. Peu importe la réaction des gens. Regarde, Israël était dans le sommeil. Et quand Agé a commencé à parler, la Bible dit, oh, c'est là qu'il commence à se réveiller. Oh, mais c'est vrai. Oh, mais on
bâti pas la maison de Dieu. Ils ont commencé à se repentir. Maintenant, Dieu va leur dire, dans Agé, parce que c'est la télévision Pacteur TV, je ne peux pas aller dans beaucoup de détails, je pars directement dans Agé chapitre 2, le verset 9. Quand ils ont commencé à se repentir, écoute ce que Dieu dit maintenant. Je commence au verset 8, Agé chapitre 2, le verset 8, lis avec moi. Soit comme les chrétiens de Béret qui vérifiaient les Écritures. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. C'était la parole du Seigneur. Amen. Dieu leur dit, voici maintenant, comme vous commencez à rebâtir ma maison, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première maison. Bien-aimés, après la repentance, je vais dire à quelqu'un, nous sommes dans la dernière maison. Nous sommes dans la dernière maison. La maison de l'Éternel. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Si tu te repens comme Israël s'est repenti à l'époque des Agé, cette promesse sera ta promesse. Réveille-toi, toi qui as négligé de bâtir la maison de Dieu. Quelle est la maison de Dieu? La première maison de Dieu, c'est ton corps. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit de Dieu qui habite en vous. La première maison de Dieu, tu dois bâtir, c'est ton corps. Le Seigneur Jésus-Christ a dit un jour, avant qu'il aille à la croix de Golgotha, quand il regardait ce temple que Salomon avait bâti à Jérusalem, il a dit, ce temple sera détruit. Mais après 3 jours, ce temple sera rebâti. Les gens ont pris cela charnellement. Le Seigneur Jésus était en train de passer ce message. Que vous voyez ce temple ici, bâtiment, sera détruit. C'était lui-même. Il sera mort à la croix de Golgotha. Et le troisième jour, il va ressusciter. Ce ne sera plus pour habiter dans les temples ici de Salomon. C'était pour habiter maintenant dans notre corps. Praise the Lord. Amen. C'est ton corps qui est le premier temple qu'il faut rebâtir. Et intérieurement et extérieurement. Enlever le péché. Bien-aimé, depuis les prophètes, quand Dieu veut parler à son peuple, c'était pour les réprimander à propos du péché. Quand Dieu voulait restaurer Israël, Dieu leur disait, il envoyait les prophètes pour les dire, détruisez l'idolâtrie, détruisez les dieux étrangers, renoncez aux dieux étrangers, retournez à l'Éternel et l'Éternel Dieu vous bénira. C'est ça le message principal. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu continuer avec dans le Nouveau Testament. Jean-Baptiste est venu continuer avec dans le Nouveau Testament. Bien-aimés, quel est l'état de la maison de Dieu qui est ton corps? Ton état d'âme, ton état d'esprit et ton état de corps. Parce que dans Romains, la Bible nous dit que nous puissions être sanctifiés corps, âme et esprit.
Il n'y a pas une partie de notre corps qu'il faut négliger. Tu t'embourbes dans l'impudicité? Tu t'embourbes dans l'adultère? Tu t'embourbes dans les coopérations? Tu es en train de mentir les gens dans les affaires? Surtout les couturières. On trouvera beaucoup de couturières en enfer. Tu lui donnes les 10 mètres de tissu. Il enlève d'abord les 3 mètres. Et puis, elle te dit ou il te dit, non, ce n'était pas suffisant. Oh, j'ai mis une couturière au Congo, elle faisait ça. Et un jour, elle a rêvé que le Seigneur Jésus-Christ était revenu. Il y avait l'enlèvement qui prenait place. Elle était chrétienne, elle était en train de monter aussi. À un certain moment, elle sent dans ses pieds, il y avait des choses qui les tiraient en bas. Elle regarde comme ça, c'était les tissus, tous les tissus des habits des clients qu'elle volait. C'était des tissus-là qui les tenaient aux pieds, qui l'a fait retomber par terre. Elle a raté l'enlèvement. Bien-aimée, elle a pleuré comme elle n'a jamais pleuré quand elle s'est réveillée. Mais qu'est-ce qui va te retourner en bas? C'est le mari d'autrui? C'est la femme d'autrui? C'est les avortements? Bien-aimée, c'est le temps de rebâtir la maison de Dieu. Dieu ne peut pas habiter là où il y a la saleté. Regarde la raison pour laquelle tu investis beaucoup. Tu es intelligent. Tu as de bonnes idées. Quand tu veux monter, tu veux monter. Tout ce que tu avais bâti est renversé. Tu recommences encore à zéro. Ça, c'est le dernier avertissement que Dieu t'amène à Pactol TV. Par les canaux de Pasteur Mireille. Parce qu'après, la convocation viendra. La convocation, c'est la mort. Nous attendons les Messies, mais la mort peut venir aussi avant le retour des Messies. Dieu n'est pas content de la mort d'un pécheur. C'est pourquoi il a déplacé sa servante aujourd'hui pour que tu puisses me suivre, pour que tu sois connecté à cette télévision. Enfin, que tu puisses rebâtir la maison de Dieu que tu as négligée. Tu t'habilles n'importe comment. Ah! Femme mariée, avec les jupes à mi-genoux. Et tu es là dans l'église en train de parler. Shikorababababababababa. Est-ce que les parlants langues là ne te signalent pas que tes cuisses là, on les voit? Arrêtez de mentir l'église. Ce sont des parler en langue des démons. Les parler en langue des sentiments. Tu avais écouté ça quelque part et ton esprit a capté ça. Les parler en langue, c'est biblique. Les parler en langue, mais c'est puissant. Quelqu'un qui parle en langue. Tu peux prendre un habit comme ça, le Saint-Esprit te dit non, 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 ne porte plus ça. Les parler en langue, mais ça vient changer toute ta vie. Oh, bien-aimé! Toi qui es en train de pleurer, ponani nazami telengano, nazako passe batanyo sonakatia beglise. Quel est le centimètre de tes jupes? Maintenant, ce qui est à la mode des jeans là, déchiré au niveau de genoux, c'est triste. Le droumis à l'église, il vient à l'église, il a tourné le chapeau derrière, et puis les jeans déchirés au genou, et il arrange ses instruments. Droumis, des groupes de louanges, des groupes d'adoration. Mais non, les pasteurs, rebâtissons l'église de Dieu. Que chacun de nous examine sa vie. Bien-aimés, je vais prier. Le Saint-Esprit t'a parlé. Tu n'es pas intelligent à l'école. Tes enfants ne sont pas intelligents. Répands-toi. Oh mon maman, mon koya, mon nene ma kasinase. C'est quoi qu'il a ta jupe, mon comme moi, on a 5 ans. Et maintenant, comme il fait chaud, et puis, à la ti, blouse, mon kasin a babissier, surtout en à Paris. C'est quoi, produit ceci, qui ça y est, bête, ma tampon est longue. Tina, mon comme moi, on a tiki polele, et ça n'a pas tampon. Ça, c'est
c'est le temple de Dieu que tu exposes comme ça. Bien-aimé, Dieu ne te condamne pas encore. Le message de la repentance, ce n'est pas le message de la condamnation. Peut-être tu faisais ça parce que tu ne savais pas. Aujourd'hui, tu écoutes ce message. Va jeter tous ces habits-là. Va chercher les habits de ton âge. Tu n'as pas... Même les bébés, chez nous, même dans Adassa, même les bébés maintenant, les bébés de 2 ans, elles portent de longues jupes. Bien-aimés, répentons-nous. L'église de Dieu est détruite. La maison de Dieu est détruite. Porte les habits qui couvrent le corps. Tu peux porter des robes. Tu n'es pas obligé de porter seulement des vestes. C'est honorable parce que tu représentes l'ambassade céleste sur la terre. Tu verras quelqu'un qui présente l'album. Une chante de l'Éternel qui présente l'album, qui chante pour Jéhovah Jireh, le Dieu d'Abraham, avec la jupe mi-genou, avec une blouse, avec un grand V ici qui montre les seins des chantres de l'Éternel. Non, vous jouez avec Dieu. Mais Dieu ne vous condamne pas encore. La condamnation commence dès que tu meurs. C'est fini. C'est trop tard. Le pasteur Mireille est venu avec le message de restaurer l'église. Je vais prier avec nous. Répète cette prière après moi. Dis-le miséricordieux. Je reconnais que j'ai péché contre toi. J'ai négligé de bâtir ton temple. Qui est mon corps. Je me répands de tout mon cœur. Je renonce à la négligence. Au nom de Jésus-Christ, cher Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à bâtir le temple de Dieu qui est mon corps. Dans tous les domaines de ma vie, que je ne rate pas l'éternité au ciel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, restez toujours connectés à tous nos programmes. Nous prions chaque jour de lundi à samedi. Connectez-vous sur mireadassa.org, c'est notre site. Et chaque 20h à 21h30, nous avons la prière. 12h à 16h, nous avons l'intercession. Écrivez-nous sur mireadassa@gmail.com. Soit téléphonez-nous sur 0031 626 88 31 01. Restez toujours connectés sur Pactol TV. Nous avons notre espace à la télévision de Pactol TV sur nos programmes de Adassa, le cœur de Dieu. Nous bénissons Papa Lolo Moutima, qui est le visionnaire de Pactol TV, avec tout son staff qui fait un travail merveilleux. Que le Saint-Esprit vous aide à ne pas rater l'éternité au ciel. Shalom, shalom à tous les papas Adassa. Je bénis mon mari, l'archibishop Nathanael Banza, qui est le visionnaire de Ebenezer Ministry, dans laquelle Adassa est née. Merci beaucoup. Encore un grand merci à Pactol TV, Toda Raba. Shalom, shalom, shalom. Happybox TV. Happybox TV, c'est le bouquet pour regarder Pactol TV. Dans la rubrique Religion au numéro 358, achetez les décodeurs Happybox TV sur www.happyboxtv ou chez Pactol TV. Sans aucune configuration préalable, la Happybox TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happybox TV, c'est la télévision autrement. Pactol TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happybox TV
et Orao Telecom. 100 euros pour l'achat du décodeur et 12 euros seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Bein Sport et Pactol TV. N'étardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happy Box TV pour regarder la télé autrement. Happy Box TV. Ebenezer Ministry vous recommande de prier sans cesse, car c'est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Pour apprendre à prier en ordre et longtemps, la bonne adresse, c'est chez Adassa, le cœur de Dieu. Adassa, le cœur de Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Nous avons des prières en ligne tous les jours. Les premiers cultes, c'est du lundi au samedi, de 4h30 à 6h du matin. Et les deuxièmes cultes, du lundi au vendredi, de 20h à 21h30. Les veillées de prières sont programmées chaque samedi de 1h à 6h du matin. Les prières d'intercession du lundi au vendredi de 12h à 13h30 et de 16h à 17h30. Et les cultes du dimanche, c'est de 9h à 12h. Vous habitez en Allemagne, faites les 0049 221 98 20 34 15. Votre appel part de la Belgique, faites les 0032 42 44 10 75. Vous nous appelez depuis les États-Unis, faites les 001 209 255 1000. Vos appels partent de la France, faites les 0033 1 78 90 03 32. Depuis la Hollande, ce sera les 0031 635 205 040. Les codes d'accès aux prières sera les 14 40 99 et 10 15 50. Pour l'incarnation, les 11 11 52. Et pour les cultes dominicales, les 14 40 99. Pour toute information, allez sur 3xw.mireilleadassa.org. Et pour nous appeler pour de plus amples informations, faites-le 0031 6 26 88 31 01. Pour apprendre à prier en ordre et longtemps, la bonne adresse, c'est chez Adassa, le cœur de Dieu. Avec l'archibishop Nathanaël Banza et le pasteur Mireille Chilumba Banza. Adassa Ministry, le cœur de Dieu. Apprendre à prier en ordre et pour longtemps. Du nouveau dans la ville de Bandundu, le majestique hôtel Bandundu. Situé dans les centres-villes de Bandundu, dans la province du Kwilu, en République démocratique du Congo, l'établissement majestique hôtel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres, luxueusement décorées dans un style élégant. Au majestique hôtel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, le majestique hôtel Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestic Hotel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux. Le Majestic Hotel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Bana Bandundu, Baningville, Benkwen, Benukwen na Bwala Kutala Babuti. Pour vos réservations, faites-les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275. Le Majestic Hôtel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex-avenue Kassai, dans la commune de Bassoko, au centre-ville de Bandundu. Le Majestic Hôtel Bandundu, c'est le meilleur du coin.
le meilleur de la ville, le meilleur de la province. À très bientôt chez nous. Nazobinga bino boleka na Partol TV poete totombola lisusu Yesu oyo abenga biso n'ezape pas ne change pas la télé c'est Partol TV je vous invite que Dieu vous bénisse on natalise yo Yesu consolateur yamite. La vie ici sur Terre n'est toujours pas facile avec ceux qui nous entourent. Elle devient parfois un calvaire sans la présence de Dieu. Votre vie a été brisée, la mienne aussi. Alors, il faut que ça change. Il faut que ça change. Une émission de la prophétesse Grace Betty Jemima pour vous redonner confiance et passer de la souffrance à la bénédiction, de la souffrance au pouvoir. Car elle-même a connu les situations les plus ignobles et malheureuses de la vie. Il faut que ça change pour que vous arrêtiez de pleurer. Venez pour en parler avec moi sur le plateau de Pactol TV. La prophétesse Grace Betty Jemima a été sauvée grâce à l'apparition visuelle de Jésus-Christ dans sa vie. Elle veut que Jésus-Christ entre dans la vôtre pour que ça change. Il faut que ça change dans votre vie pour que Dieu soit glorifié. Il faut que ça change. C'est sur Pactol TV, la chaîne chrétienne et de la fiction africaine, la chaîne incontournable du moment et de la différence, votre partenaire spirituel des confiances. Il faut que ça change pour que vous arrêtiez de pleurer. Pactol TV, la chaîne chrétienne et de la fiction africaine. Happy Box TV. Happy Box TV, c'est le bouquet pour regarder Pactol TV. Dans la rubrique Religion au numéro 358, achetez les décodeurs Happy Box TV sur www.happyboxtv ou chez Pactol TV. Sans aucune configuration préalable, la Happy Box TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happy Box TV, c'est la télévision autrement. Pactol TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happy Box TV et Orao Télécom. 100€ pour l'achat du décodeur et 12€ seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Beansport et Pactol TV. N'étardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happy Box TV pour regarder la télé autrement. Happy Box TV.